Aujourd'hui, chez Soprastarien, on organise une grosse journée, embarquement immédiat, le retour. Un événement qu'on organise auprès de nos alternants et nos stagiaires qui sont partis à l'international cette année. Le but de cette journée, c'est de positionner nos stagiaires et nos alternants sur l'enjeu qui est l'internationalisation de tous nos projets au sein du groupe, de capitaliser toute leur expérience et d'aller un peu plus loin en les positionnant en tant que parrain ou précurseur de l'international. Mon expérience était extraordinaire. Donc c'était passionnant autant au niveau professionnel que personnel. Génial, j'ai rencontré des gens géniaux. C'était magnifique. Très surprenant. Très dépaysant, donc on apprend tous les jours et aussi bien culturellement qu'au niveau professionnel. Avec Soprastaria, j'ai réalisé un stage d'immersion de 4 mois en Inde. En fait, j'étais en Espagne, à Valence. Donc moi, j'étais en stage sur Madrid. Moi, j'étais en Inde, donc à Noida. Je suis parti 2 mois en Inde. De base, j'étais jamais parti aussi longtemps, aussi loin. Incroyable, amusant. Culturellement, ça apporte beaucoup de choses. Super, j'ai vraiment adoré l'expérience en Inde. Ça a été une expérience très enrichissante de rencontrer une nouvelle culture. Bah, autant au niveau projet que la ville, parce que j'étais à Madrid, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de trucs à découvrir. C'est juste monstrueux. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai pu monter en compétences. J'étais bien formée, j'étais bien encadrée. Je pense que ça permet de voir des manières de travailler différentes. J'ai pu apprendre la langue espagnole, que je ne maîtrisais pas du tout avant ce stage. On oublie le français et on parle anglais tout le temps. Je ne parlais pas du tout espagnol en y allant. Et j'ai pu apprendre au fur et à mesure. Maintenant, je travaille en espagnol maintenant. Un conseil, c'est d'y aller. Et de vivre au maximum. Il faut juste avoir confiance en soi. C'est vraiment quelque chose d'excellent et il faut le faire. Ça peut que bien se passer. J'ai senti que j'étais capable de quitter mon chez-moi, mon petit confort, pour vivre quelques expériences à l'étranger. S'il y a des possibilités de partir en Inde, en Espagne ou quoi que ce soit, je serai toujours partant. Ils ont suivi, ils ont été là pour nous quand on avait un problème. Je remercie Soprastarien pour cette opportunité. Merci Sopra. Merci Soprastarien de m'avoir fait confiance.